Bonjour tout le monde, c'est Julien chez Joliette Dodge. Aujourd'hui, je fais un tour d'horizon du Ram 1500 Laramie Édition Sport 2022. Donc oui, on est dans les premiers au Québec à recevoir des Ram 2022. Pourquoi? Parce qu'on est votre spécialiste Ram au Québec. Et présentement, en plus devant nous, on a une version e-torque, donc une version V8 avec le moteur e-torque. Donc c'est une assistance électrique à la poulie. Lors des démarrages, ça vous permet de sauver de l'essence. Donc, pour ceux qui font beaucoup de villes, qui tirent des trailers, ça peut être très, très intéressant pour vous. Communiquez avec nous pour plus de détails. Et si vous voulez aussi avoir des vidéos sur des versions diesel ou des versions des Ram Limited 2022, j'ai fait d'autres reviews également sur ces véhicules-là. Donc, allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, c'est quoi un Laramie Sport? C'est un Laramie avec aucun chrome dessus, sauf le petit logo ici qu'on voit sur le côté Ram, mais ça vient aussi avec le capot sport comme on a ici présentement devant nous, donc un capot comme sur les Ram Sport, et tous les pare-chocs la même couleur que le véhicule. Celui-ci a également les mags en option sur les Laramie, donc de beaux mags 20 en alliage d'aluminium, excusez-moi. Celui-ci, c'est une version crew cab, donc avec les grandes portes arrière et la boîte de 6 pieds 4. Donc oui, la grande boîte avec le grand espace arrière, la plus grande espace de sa catégorie, c'est le Ram 1500. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Grosse différence pour le 2022, c'est l'écran 12 pouces avec le Uconnect 5.0. Donc oui, je sais, la Uconnect 12 pouces existait déjà, mais c'était avec le système d'opération 4.0. Là, on est avec le nouveau système d'opération 5.0. Je vais vous montrer la radio. Le nouveau look quand on ouvre la radio, sans plus tarder, je vous montre un petit peu l'intérieur des portes dans la version Laramie, à quoi ça ressemble. Celui-ci a le système Harman Kardon, donc le gros système de son Harman Kardon à l'intérieur. Donc pour ceux qui se demandent des fois, c'est quoi la différence, Julien, entre un Laramie et un Sport? Les Laramie, automatiquement avec les sièges en cuir complet, c'est les sièges qui sont chauffants et ventilés. Donc, celui-ci, je vous montre également le toit ouvrant panoramique, donc un très, très bel éclairage au niveau de l'intérieur. Quand on embarque à l'intérieur, on peut voir tout de suite, celui-ci a le système 4x4 automatique et le système aussi du moteur arrêt automatique, donc qui s'arrête aux lumières pour économiser de l'essence. Uconnect 5.0, je vous montre un petit peu la radio. Des nouveaux systèmes de contrôle. Je vous montre tout de suite la page d'accueil. Grosse différence ici, on peut tout choisir comme on veut avec un profil. Si on veut l'écran divisé en 3, en 4, on peut tout faire ça avec des profils qu'on peut régler dans la radio. Je ne ferai pas tout le détail avec vous parce que ça serait trop long. Mais vraiment, on peut tout modifier l'interface dans l'accueil comme on veut que ça apparaisse. Quand on rentre dans le véhicule, quel menu qu'on veut voir, etc. GPS inclus dans la radio 12 pouces. Soit dit en passant, aussi maintenant le système Alexa qui est directement intégré dans le véhicule, donc les reconnaissances vocales se font très très bien. Des nouveaux menus, des nouvelles options qu'on peut sélectionner avec la Uconnect 5.0. Encore là, je ne ferai pas tout le tour avec vous parce que ça serait trop long, mais vraiment là, waouh, on peut mettre beaucoup beaucoup de choses dans la radio qu'on peut tout choisir comme on veut. Sans plus tarder, je vous montre aussi toutes les prises USB, micro USB qu'on a. Quand on prend un Laramie Sport, ça vient avec le système de chargement Wi-Fi. Ici, c'est des petites trappes pour venir mettre notre téléphone. On peut tout venir mettre notre téléphone ici, le faire charger quand il y a évidemment là, avec votre téléphone, le chargeur intégré. Console glissante ici pour le rangement. La plus grande capacité de rangement de sa catégorie, c'est le Ram 1500. Il n'y a pas un autre camion sur le marché dans le 1500 qui vous donne autant d'espace de rangement que le Ram. Je vous monte un petit peu en arrière. Désolé, je n'ai pas encore enlevé les tapis protecteurs de celui-ci. Celui-ci vient avec les gros tapis d'hiver qui sont dans le véhicule présentement. Mais c'est ça. Je vous montre ici. Les gros tapis. Plus grand espace intérieur de sa catégorie, le Ram 1500 aussi en arrière. Donc, les sièges de ton, soit c'est les sièges chauffants également
en arrière dans le Laramie quand on sélectionne un Laramie. Donc, vitre arrière également chauffante, coulissante. Celui-ci n'a pas de Linex, donc de boîte pulvérisée, mais ça s'installe. Vous pouvez le faire comme d'usine. Je vous montre un petit peu le derrière du camion avec les échappements doubles, l'attache de remorque. Avec la clé, dans un Laramie comme ça, on a le bouton pour baisser le haillon. Donc, quand on vient pour charger du matériel, on peut baisser le haillon à distance. Encore une fois, Joliette Dodge, c'est votre spécialiste RAM. Communiquez avec nous dans le clavardage sur le site Internet, en messagerie privée sur Facebook. Si vous avez d'autres questions pour d'autres RAM 2022, on en a plusieurs dans la cour. Ça va nous faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. On a des spécialistes sur place. On reprend tous les véhicules d'échange. N'hésitez pas à nous communiquer avec nous. Visitez le www.joliettedodge.com pour tout notre inventaire. On met toutes les photos en temps réel. Et vous savez, on vous offre la meilleure transaction. Point final!